Grosse surprise la fois dernière, on a réussi à aller jusqu'à la ligue. On a traversé la route de victoire sans trop de difficultés, franchement. Assez étonné. Assez tétonné, c'est-à-dire il faut pas se réjouir parce que je pense qu'on va galérer. J'ai déjà acheté les thunes tout à l'heure, je pense. Enfin, les thunes, les objets. Il me reste plus de thunes. Ouais. Bon. Quels sont mes niveaux? Je me souviens plus trop des niveaux, mais à mon avis, ils sont au moins niveau 50. Et là, ouais, bon. On va croiser les doigts. Hein. Pour une fois, je vais activer le multi-exp. Il faut juste que je le mette dans... Je crois que j'ai pas récupéré, en fait, surtout. Suspense, non, je l'ai pas récupéré. Ah, j'ai pas été le chercher. Ouais, c'est pas très grave. Bienvenue à la Ligue Pokémon. Je suis Olga du Conseil des 4. Je suis la maîtresse des Pokémon de glace. Et la glace, c'est trop fort. Tes Pokémon seront à ma merci une fois gelés. Ah ah ah, c'est parti. Je vais faire un petit accent allemand parce que je sais pas faire les accents scandinaves, mais bon, j'imagine que Olga nous vient d'un pays très froid en tout cas. Bon. Ouf, 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 ouf. Donc Olga la glace, j'ai mis plante, mais bon. Peut-être pas dû, mais. Enfin... Elle s'endort. Ce qui me laisse le temps de faire deux tranchards, du coup. Drôle de technique, alors qu'une onde boréale même aurait suffi à m'exploser, je pense. Bonne nuit, Lamantine. Ah, j'en reviens pas qu'on soit déjà à la ligue, quoi. J'ai dit que si je galérais, je sortais les trois oiseaux légendaires. Cela dit, ils ont peut-être pas des attaques terribles. Allez, potatoes. Bien. Vas-y. Magnifique. Il me pleut sur la tête. Bon, cela dit, t'arrives à la ligue, l'ennemi te fait un pistolet à eau. Ça va, il y a pire dans la vie. Hein. Alors, les poutous, pour le coup, il est vraiment glace. Glace psy, là, relou, quoi. Pas de feu. Mais je pense qu'un bon coup de... Ça c'est ténèbres, sauf dans cette génération parce que ça n'existait pas. Ça va. Mania, alors qu'elle est plutôt spéciale en vrai. Ah. Bien. Faut monter de niveau là les amis, faut monter de niveau. J'ai pas de Pokémon avec Lightning Glass, c'est pourtant très important dans cette ligue. C'est
il y a tellement peu de Pokémon glace dans cette première génération. Pauvre Potatoes, tiramisu, venge-le. Comment as-tu osé? Tu es fort, Zébien, mais la Ligue Pokémon te réserve d'autres surprises. Ok. Pour l'instant, ça va. Mon nom est Aldo du Conseil des 4. Ma passion à moi et mes Pokémon, c'est la muscu. Pour frimer sur la plage ou pour boxer les nabos, rien de tel qu'un corps de rêve. Lou, ton équipe. Je vais en faire du yaourt à table. J'adore, franchement. À l'époque, tu vois, ils avaient une façon de parler. Franchement, il y avait du caractère. Merci Julien Bardakoff pour la trad. Donc la plante sol, roche sol, c'est parfait. Il va douiller. Il faut hein, monter de niveau là. Là c'est Basquez. It's time to Basquez. Est-ce que c'est suffisant? Non. Donc on va faire des petits vols je pense sur les suivants. Et lui c'est pareil, ses techniques franchement c'est pas terrible la Basquez. Limite j'aurais pas dû sacrifier sacrifice et tu vois gros yeux. En vrai il y a des CT que j'aurais pu utiliser. Les movesets sont tellement pourris à l'époque. Bien. Bon alors là, l'envol de Basquez. Ouf. Ah bim, ça peut pas marcher, je vole. Oh la rigueur, gros yeux, voilà. Mais furie et gros yeux sinon vous vous rendez compte. Pourquoi? Et mes muscles. Bien joué mon petit. La prochaine t'attend. Alors je dois avoir plein de... Bon pour l'instant ça va au niveau des rappels. Et même au niveau des soins. Voilà. En vrai, je vais regarder les CT là. Franchement. Tu vois, elle passe de gros yeux. Pas comme si j'allais utiliser gros yeux quoi. Petite musique chelou. Deux. Oublie pas Malabar, j'ai pas beaucoup joué avec Malabar la fois d'ailleurs. Je l'ai même pas sorti la fois d'ailleurs. Métronome est rigolo mais... Oh, Métronome c'est trop rigolo. Je l'ai pas du tout sorti la fois dernière, j'avais complètement oublié. Bon.
bonjour mon tout petit, je suis Agatha du Conseil des Quatre, chaîne mise de grands espoirs sur toi, fiston. Sais-tu que ce vieux machin était jadis beau garçon? Enfin, il y a très longtemps. Il veut juste frimer avec son Pokédex. Mais c'est débile, les Pokémon servent à combattre. Lou, je vais te montrer comment les grands dresseurs combattent. Il est vénère, mamie. J'avais pas parié sur lui en premier, c'est pas grave. Pas le dodo. Non! Oh purée, je me suis appuyé trop vite. Aïe 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 aïe. La Pokéfloute. Je peux pas, je dors pas. Oh. 56. Ah merdoum. Tu veux jouer à ça? Et bon, on va sortir Malabar. Sol, terrible sur le poison. Il n'avait pas lévitation à l'époque. Là, il n'a plus lévitation en talent. Il n'y avait pas de talent en fait à l'époque surtout. Bah c'est là où j'aurais bien voulu mon petit potétose. Mais écoute, tant qu'à faire, Malabar est un peu en retard là sur, sur les niveaux. Un peu quand même, hein. C'est Mew, hein. C'est quand même Mew. Un Mew confus mais bon. Ah, bah la barre se sent mieux. Très efficace mais très relou là franchement. Ça peut pas tuer en un coup. Tu me diras, la différence de niveau quand même est assez exemplaire. Merci le coup critique. Franchement, on s'en sort super bien en conservation de PV là. Ah, oh, c'est beau mais presque. Bien. C'est joli. Oh oh, tu es doué mon petit. Ah, je vois pourquoi le vieux chêne t'apprécie autant. Ah, mes ombres ont perdu, tu peux passer. Alors, on en reste plein là. Le premier, c'est Draco, je crois. Ou Léviator, je sais plus. Aïe aïe aïe.
Potatoes, allez, je crois en toi. Si c'est Léviator. Ah, enfin, j'ai entendu parler de toi, loup. Je règne sur le conseil des quatre. Mon nom est Peter, le dresseur de dragons. Les dragons sont des Pokémon mystiques. Les capturer, les entraîner est difficile, mais leurs pouvoirs sont supérieurs. Ils sont presque invincibles. Le glas de la défaite et de la honte sonne pour toi. L'entends-tu ? Peter veut se battre. Yes, c'est Léviator. Ouais, du coup, là, un petit tonnerre, normalement. Oh, et oh, sérieusement, quoi. Merde. Erreur stratégique. Ça fait vraiment rien, hein, Vive Attaque. Super. Tagada, c'est à toi. Faut que t'encaisses là. Yes! Bien joué. Donc il augmente beaucoup sa vitesse. Est-ce qu'on le paralyse? Non. Quarante points de dégâts chaque fois, Dracorage. Oh, tu peux encaisser ça, allez, s'il te plaît. Yes, c'est bien. Ça, par contre, je pense pas qu'il encaisse, le pauvre Potatoes. Ouais. Bon, ça dit, il va être à plat. Ce qui nous laisse le temps de surfer dessus. Quoi ? Oh purée, ils sont pas à plat quand on change de Pokémon. Ah, ça, c'est dégueulasse. Très bien. Joli. Là, je peux encaisser normalement. Yes, avec beauté, grâce et élégance. J'aime bien. Je prends le temps de me soigner.
Epictetus pourrait être utile. Ouf. Oh non. Ça va être pas très efficace du coup là. Bah ouais. Alors, on prend un rappel classique. J'aimerais bien qu'il s'envole pour lui faire perdre un petit peu de temps, mais faut que la... Ah, mais il est doué. Terrible. Je tente un truc. Yes, on est plus rapide. Parfait. C'est pas grave. On l'a paralysé. Alors normalement, il peut pas prendre bouclier Dracolos. Ultra laser était physique à l'époque, donc voilà, ouais. Maintenant qu'il a fait des boucliers en rafale. Oh purée. Ouais, là j'ai plus de PP. Changement de Pokémon. Ouf. En vrai, il me faut du spé, mais alors de l'eau, non, c'est pas très efficace. Électricité, à la rigueur, c'est contrebalancé par le fait que les dragons volent. Et au moins, c'est spécial. Plutôt que du physique, ouais, c'est pas non plus. Ils disent que c'est pas très efficace, alors que l'efficacité est neutre normalement, mais comme les premiers types de dragons. Thank you.
Très bien. Oh là 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 là. Ça va pas faire beaucoup plus, mais au moins je garde mes plaquages. Une petite vampigraine aussi aurait été utile. Oula. Là c'est passé. Pof. C'est vrai que vampigraine là en vrai. Voilà. Oui, de la glace, ça aurait été utile. Hein. Allez, on va la voir là. Bravo! Incroyable! Tu as bien mérité le titre de maître Pokémon! Comment mes dragons ont-ils pu succomber à tes attaques, Lou? Tu es désormais champion de la Ligue Pokémon. Enfin, pas tout à fait. Une épreuve doit encore t'être imposée. Un grand dresseur t'attend. Son nom est Robert! Il a vaincu le Conseil des 4 avant toi. Il est le vrai champion Pokémon! Sacré Robert! On va bien se préparer, et si je me souviens bien, ça commence par Roux Carnage. Les potions, elles sont où? Un petit peu la pression là quand même, hein. Vous êtes prêts? On va croiser les doigts. Juste sauvegarder quand même. On sait jamais, c'est fait pour faire. Bonjour Minable, je t'attends depuis une bonne plombe, Lou. Ton devoir en tant que rival est d'entraîner mes Pokémon. En améliorant mon Pokédex, j'ai recherché des Pokémon surpuissants. J'ai ainsi créé l'équipe ultime, efficace contre tous les types de Pokémon. Ça t'est pas tant. Je suis le champion Pokémon. Tu sais ce que ça veut dire? Écoute ça, Minable. Je suis le dresseur le plus puissant du monde. Oula. Il va faire piquer. Non, lance-soleil. J'ai l'impression qu'il brille. Piquer quand même. Ça va pas très efficace. Allez, moins un. Ouf, la Kazam. C'est un force P, donc je suis pas sûr que ça... On peut tenter les dégâts fixes, voir combien ça fait.
pas beaucoup de PV normalement à la Kazam. J'ai mis Sushi parce qu'il est plutôt doué en spé et du coup il y a... Oh là... Le critique... Enfin, le psy plutôt que psycho en plus, hein, ils sont généreux. Oh, insupportable. Oh. Insupportable. Pas très efficace. Alors, tu dis quoi face à Seis? Tu dis oui. Allez, roche sol, un bon vieux plante ou un bon vieux haut. Là, c'est Vasquez. Loupé. Oh. Hey. Violent quand même, hein. Allez, rentre chez toi le baobab. Ah oui, alors là. Petit doute sur la rapidité quand même. Ça va. Alors, est-ce que ça va suffire? Même pas. Ouf, ça va suffire en revanche. Et il sera pas à plat du coup. C'est ça. Fais-moi les méchants yeux, moi je te fais les petites graines. Eh ben, ça avance plutôt bien cette affaire. Le dernier drac au feu. Alors, Sushi, est-ce qu'il est plus rapide qu'un drac au feu niveau 65? J'en doute. Squeak. Bien. Et ça fait dodo. Il
gagner en force. Ouais, alors attends. Évite avec sa frénésie là. C'est le moment de sortir le rappel max. Doucement. Et là normalement. Eh ben ça n'a pas été si compliqué que ça. Bravo Tagada. Et grâce à Sushi quand même qu'on a acheté au pied du mont argenté. Non, impossible. Non, du mont le mont Salénite, pardon. Mon équipe de rêve est fichue, après en avoir tant bavé, je me fais battre. Et par toi, ma gloire où qu'elle est, c'est pas juste. Comment, hein, moi, pourquoi? Oh, j'ai entraîné Pokémon à la perfection. Et zut alors, t'es le nouveau champion Pokémon. Alors ça me la coupe. Lou, tu as gagné, félicitations. Tu es le nouveau champion de la Ligue Pokémon. Tu as tant changé depuis ton départ avec Bulbizarre. Lou, tu es grand maintenant. Robert, je suis déçu. Apprenant que tu avais vaincu le Conseil des Quatre, je suis venu en vitesse. Mais le temps d'arriver jusqu'ici, tu avais déjà perdu. C'est dingue. Robert, as-tu compris pourquoi ton équipe s'est fait moucher? Tu as oublié de traiter tes Pokémon avec amour. Eh oui, mon petit bonhomme. C'est comme ça, et puis c'est tout. Lou, cette victoire, tu ne la dois pas entièrement à tes qualités. Tu as tant baigné d'amour tes chers petits Pokémon. Et ça, c'est bien. Lou, suis-moi. Allez, reste là avec ta déguitude. Ça sent le somme ici, je me casse. Félicitations, Lou. Cet étage est réservé aux célébrités Pokémon. Les champions de la Ligue sont consacrés ici. Leurs Pokémon sont enregistrés en tant que célébrités. Lou, long fut ton périple jusqu'à la victoire. Encore bravo, toi et tes chers Pokémon êtes tous célèbres. Célèbres, pardon. Quelle belle équipe, Potatoes. Célébrité Potatoes. Basquez. Malabar. Ah, on a réussi à avoir Mew quand même dans cette partie avec la manipulation. Ça a été très bien. Sushi. Et Tiramisu, notre Pokémon de départ, l'adorable. Comme il est beau. Tagada, mon Pokémon préféré. Type normal à l'époque, eh oui. Lou, en 20h et 48 minutes. Évaluation Pokédex. Ah, tu en as enfin 50. Mon assistant te donnera un multi-exp. Ben je sais, je l'ai pas pris. Et voilà. On a fini Pokémon version rouge. Alors, c'est loin d'être le premier jeu Pokémon que je termine sur ma chaîne, même si j'ai lancé un bon moment. Mais entre-temps, on a fini Pokémon Argent, Pokémon Diamant, Diamant Étincelant, Épée, Écarlate. Et puis, on a aussi lancé Violet. On a fini aussi Légende Arceus, d'ailleurs, hein, que je n'oublie pas, Bouclier. Pokémon X, Pokémon Blanc. Tout ça, c'est des let's play que vous pouvez voir sur ma chaîne. Et je vous invite également à aller voir le let's play de Pokémon Let's Go Pikachu, qui est donc le remake de cette première génération, qui était sorti sur Switch, avec un style un petit peu à la croisée de Pokémon Go, qui est aussi disponible en let's play sur ma chaîne. Voilà, il y a vraiment plein de jeux. Pokémon Sleep, Pokémon Shuffle, Pavillon Pokémon, Magikarp Jump, New Pokémon Snap, Pokémon Snap, Pokémon Stadium. Pouah, il y a 1 million de jeux Pokémon sur ma chaîne.
Donc je vous invite à aller voir tout ça et je vous remercie en tout cas pour votre fidélité. Le Let's Play ne va pas s'arrêter là parce qu'il nous reste un dernier Pokémon à aller chercher. Je ne ferai pas les 150 Pokémon du jeu, déjà pour la simple et bonne raison que je ne peux pas faire d'échange. Mais on va quand même aller chercher, donc voilà, Julien Bardakoff, Jean-Baptiste Fleury, un grand merci à vous pour la traduction des textes et les noms des Pokémon. L'aventure n'est pas terminée, il nous reste un dernier Pokémon à aller chercher. Vous savez de qui il s'agit, un Pokémon célèbre de la première génération. Ce sera l'objet du prochain et dernier épisode du coup de ce Let's Play de Pokémon Rouge. Merci à tous et à très bientôt pour la suite. Ciao ciao. Ah, cette émotion. À bientôt. Ciao, ciao.